Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Capoin-François, surintendant général des Églises internationales Paroles de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Capoin-François, et soyez tous bénis. Prions le Seigneur. Minami Adogwerana Apetora. Dieu, que toute la gloire, honneur, louange te soit donnée. Bénis tous les téléspectateurs de la Voix de la Vérité. Et que le plan que tu as pour toi chacun soit accompli. Pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes encore à l'écoute de la Voix de la Vérité, que le Seigneur vous bénisse. Nous avions entamé au seuil de cette année un message intitulé « La gloire dans l'Église du Christ des derniers temps ». Et je continue avec le même message. Parce que c'est le thème que le Seigneur nous a donné dans l'Église Institutes Parole de Vie dans cette année. Saison de sa présence et de sa gloire. Le monde entier a besoin de la présence de Dieu pour pouvoir survivre. C'est le moment crucial pour l'Église d'avoir la présence et la gloire de Dieu pour pouvoir émerger, pour pouvoir accomplir la vision que son Seigneur lui a donnée. Je veux que tu me prêtes l'oreille. Et après, je vais prier avec toi. Lisons notre premier verset dans Ésaïe 60, verset 1 à 5. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 5. Là, il est écrit dans ma Bible. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Amen. Yeza apagba le tabla ade choku kigban yire atonlia. Cho na kle elabe wo keke ligbona. Eye yeho apen unti kokwe ajere jiwo. Elabe na viviti ho anigbanji eye blukotion duko wo. Ke wola yeho wa ajere jiwo. Eye epe unti kokwe adore jiwo. Anigbanji duko azon le wo keke linu. Ple fia wo le wo keke lepe jejenu. Foko ji na ponu godo vakpe. Wo katan wo fota kli gbona. Amen. Chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité,
Voilà cette parole prophétique dans cette année au nom de Jésus. L'église, c'est toi qui m'écoute, l'église, c'est moi qui te parle. L'église est la seule espérance de Dieu dans ces derniers temps. L'église est la seule espérance de Dieu dans ces derniers temps. Et ce n'est pas pour rien que l'ennemi persécute l'église partout. L'église de Christ n'est pas une religion. C'est la religion qui avait tué Jésus. L'église, c'est une vie. Attitude, un caractère. Et Dieu dit que l'église n'a qu'à se lever pour éclairer. Tu ne peux pas t'asseoir pour éclairer. Tu ne peux pas être sur ton lit et éclairer. Écoutez-moi bien aimé. Un homme de Dieu que Dieu a appelé dans ces derniers temps. Il s'appelle Rick Joyner. Il a dit, Dieu lui a révélé. Il y a une guerre qui s'arrive. Il a vu une armée. Et il dit, la guerre qui va arriver dans l'église, ce n'est pas avec les machettes, mais c'est quoi? C'est les murmures, c'est les calomnies, c'est la médisance, c'est parler au dos de quelqu'un, et c'est dans l'église que cela va arriver. Entre eux-mêmes. Et c'est ce que l'ennemi va faire dans ces derniers temps avant que Jésus ne vienne à lever son église. Donc vous allez voir que dans l'église, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dieu nous a dit de sauver les âmes. Mais aujourd'hui, aller sauver les âmes, ce n'est pas le plan de certaines personnes. C'est autre chose. Mais Dieu m'envoie te dire quels soient les vents et marées, quels soient les tumultes dans ta vie, en tant que Christ, en tant que corps de Christ, Dieu va toujours accomplir ce qu'il a pour toi. C'est pourquoi je veux que tu me prêtes l'oreille. Parce qu'il y aura des piliers à suivre, des clés à avoir afin de pouvoir accomplir. L'église doit premièrement être revêtue du caractère de Dieu. Je ne parle pas de l'hypocrisie. Je ne parle pas d'enseigner l'amour et tu hais quelqu'un. Je ne parle pas de parler, rire avec la bouche et ton cœur est vénère. Bien aimé, écoutez-moi. C'est le moment de l'église de vivre dans la vie, dans le caractère de Dieu. Parce que la gloire ne peut pas venir si l'église ne ressemble pas à son créateur.
Ella bena wuti kokwe ya mele java hame ame nenyebe hame la me diye po wolao. Quand la gloire là était dans l'église primitive dans le livre des actes, il y a Anania et Saphira qui sont morts dans l'église à cause du mensonge. Eyi mekeye wuti kokwe ya no ehagbanto ame le don opa gbale mela, Anania kwe Saphira wokuchi hame ame le esi meke woka abachota. Non, il faut le caractère de Dieu qui est démonté par quoi? Par l'amour. Eyi ata, elle na mi bena maoufe nono mena dede. Par la fidélité. Fidélité à sa femme, fidélité à son épouse. Fidélité à son prochain, fidélité dans l'église, fidélité dans ton service. Elena a messi a mebe wa wonu te pedo da no vi agbo eye nene maka nu te po wo ya wa dire gole dowo po c'est très malheureux e wonu brani wu aujourd'hui il n'y a pas de fidélité bena egbela nu te po wo wo meli o quelqu'un avec toi vous travaillez o pa mare mi le dowo il a une autre pensée. Il cherche même à t'éliminer, à te tuer. Fidélité. Fidélité. Dans ton lieu de service. Fidélité. Dans ton quartier. Fidélité dans ton église. Dans ta famille. L'honnêteté. L'intégrité du cœur. Et tu me fais à nous quoi de Didi? Dieu cherche les Daniel dans ces derniers temps. Maou, le Daniel, oh, dim, le ye, yi, mam, le, Daniel n'est pas pasteur. Daniel, menye, o, safo, o, nye, o. Non. Ah, oh. Joseph n'est pas pasteur. Joseph, ha, menye, o, safo, ye, o, mais nye, ils ont changé le milieu où ils étaient. Gake, wo, tron, o, fwe, yike, wo, no, vai. Je déclare et je décrète. Mais te, be, pa, me, do, kwe, chi. La gloire de Dieu viendra sur toi. Be, ma, ou, pe, wo, ti, kwe, kwe, a, va, chi, tu seras illuminé par sa parole. Hey, yeah. Et avant la fin de cette année, tu deviendras ce que Dieu veut que tu sois. Tu deviendras celui que Dieu veut que tu sois. Ouvrez vos Bibles. Dans Ephésiens 5, verset 26, 27. 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 Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Le fait ce toi pas baleta à ton coucou brave voix à de il est brave voix à drélia. Bene, yako, et où, et si me woklo, et où tito, t'il est l'emela, le nyala, me bela. Bene ye wuto na cho ado chitre na edoki, wanye wuti kwa kwe hame, si wuti dipopu adeke, alo ayileli adeke, alo nusi ya wope deke na gano o, ke bongula bene wano kwa kwe, eye mokaka deke na gano e wuti o. Amen. Amen. Voilà l'église que le Seigneur Jésus attendait. Ehame ike apeto yesu lalakpo e nyesi ya. L'église qui viendra enlever. Mais malheureusement, écoutez-moi bien. Les gens ont mal interprété ce que c'est que la grâce de Dieu. La grâce. Bon homme dit que ton péché passé. Ton péché présent. Ton péché futur. Pardonné. Et tu ne peux pas perdre ton salut. Que maman attend bouo de quoi que tu es né de nouveau, c'est fini. Parce qu'il lise est venu avec la loi et Jésus est venu avec la grâce. Et la benaole gbagbagbo mo se va ple selaga ke Yesu va ple amenu veve. Or le même Jésus nous dit dans Matthieu 5 verset 17 qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais pour l'accomplir. Et il dit dans le même Matthieu 5. Le Matthieu pas baleta ton mari. On a dit aux anciens. Que celui qui commet l'adultère. Il sera lapidé.
Il sera dans l'enfer. Mais moi je vous dis, un homme qui verra une femme, un homme qui va voir une femme et qui va la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Écoutez-moi bien aimé, il y a beaucoup de choses sur le terrain et malheureusement le chrétien ne veut pas lire la Bible. Il croit plutôt à celui qui dit qu'il est mort, il est ressuscité. Et on n'a pas vu où il a trouvé les caméras au ciel chez Dieu. Il a pris les films chez Dieu. Il a fait quoi? Il est dans la brousse quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Et les gens ont laissé la parole vivante de Jésus pour croire plutôt à celui qui dit lui-même qu'il est mort, il est ressuscité. Et il a vu Dieu. Abomination. Écoutez-moi, il n'y a rien qui peut te branler. Il n'y a rien qui peut te faire peur. Même si la personne est ressuscitée, s'il ressuscite même les morts et que sa parole est différente de la parole de Dieu, c'est une abomination. Kameli avao onyebena ne kameli avubu o ne menyebena enyala echo e nenemnu yala echo enyala me o. Et je souhaiterais que ces gens écrivent encore autre Bible plutôt. Écrit une autre Bible. Parce qu'ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes, la vie que eux-mêmes ils ont menée. Ils n'ont pas parlé de ce que Dieu lui a dit concernant lui-même, la personne qui a vu Dieu là. Esaïe adorait Dieu. Il a écrit Esaïe chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Ce n'est que chapitre 6 qu'il a raconté Dieu. Mais il prophétisait. Ce n'est qu'après la mort d'Ouzias que Esaïe a vu vivre. Bien-aimé, écoute-moi, il n'y a rien qui peut te donner de peur si tu peux comprendre qui est la parole Jésus-Christ de Nazareth. Hey, Yesaya, la, enyenya glory la, no, menya glomdi, cho, yesaya, fa, baleta, banvadore, atolia, me, eye, uzia, fa, kume, bele, eta, adelia, me, hafi, odogo, mau, eye, ta, lolo, tome, zime, ma, gado, kwejina, obena, nane, kameli, ava, o, ne, menye, mau, fe, nyala, ikenye, Yesu, Christo, dede, o. Ouais, les apôtres. Apostolo. Ce n'est pas tout le monde qu'il y a des apôtres. Apostolo Adoli. Tout le monde n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'est pas évangéliste. Tout le monde n'est pas docteur. Le fait qu'il y a des éditions, il n'a pas apôtre, mais il est apôtre, c'est biblique. Verset 11. C'est lui qui trace la voie. Démolit les montagnes. Il a la forêt, il s'en va, il trace la voie dans la forêt. Et il ne peut pas avoir le problème. Il ne peut pas. On peut tout dire de lui, mais et ce que Dieu lui a dit de faire, c'est ce qu'il fera. Et bon homme serait contre. Mais Dieu ne peut pas rejeter sa parole. Je vais te dire, reviens à la parole au lieu de suivre les morts ressuscités. Les gens qui courent de gauche à droite. Parce qu'ils ont vu des miracles. Bien, on les a promis de l'argent. Ça, c'est être ignorant de la parole de Dieu. Mais être bambin, être enfant.
Enye de vie et potonye de vie. Je me plains beaucoup pour l'église du Christ. Eye mele nu kham sa gba de Christ pour han ya. Parce qu'il y a une persécution aujourd'hui. Ela beneva va be va me bena yo me ti ya le to mo dara. Je ne sais pas si dans l'église du Christ. Nye megna na me yo le ja note le Christ pour han me amo. Parce que l'église du Christ mange que de la salade. Ela be Christ pour han me la salade a kodu mo le. Mange que des herbes. Eye egbe amanu okodu mo le. Il ne veut pas croquer des os. Eye o me ti bena yo agba fu o. Tu vas manger la nourriture solide. O me ti be yo adu nu dudu sesi o. Nous ne prêchons plus à propos de la croix. Eye mi me gale ma wu nya gbo mu kure ati cho gaunti o. Mais nous voulons la gloire. Vo mi ele ti ti be wu ti ko. Mais nous voulons la couronne. Mi e ti be mi akofia kuku. Mais le Seigneur qui nous a appelés. Baka a feto ike yo mi ve la. Ce message c'est sur la croix. E pe gbeda si o le ati cho gaunti. C'est sur la souffrance. C'est sur les persécutions. Bien aimé, écoutez-moi. L'église ne s'arrête pas seulement ici au Togo, mais la terre. Et ce serait très malheureux pour toi. Que tu as été glorifié sur la terre. Ton homme t'a suivi sur la terre. Même les autorités t'ont apprécié sur la terre. Mais ce jour, tu ne seras pas avec Jésus. Mais ma prière pour toi qui m'écoute. Que le Seigneur te donne la miséricorde. Que tu sois dépouillé de ton moi et que tu cherches le vrai Dieu. Dans ces derniers temps. Le Seigneur va se lever pour son église. Et les hôtels sataniques n'auront plus leur place. Je parle à la porte du Seigneur. Les hôtels sataniques là. Dans cette nation là. Écoutez-moi bien. Les hôtels sataniques. Même dans l'église. N'importe où. Qui serait barrière pour sa parole. Serait détruit. Pour l'utiliser. Et ces gens auront de l'opprobre de l'ignominie nationale et internationale. Parce que le Seigneur approche. Parce que. Jusqu'à ce que le serpent de Moïse n'a pas avalé le serpent des magiciens d'Égypte, Israël ne peut jamais quitter. Va se laisser que y ait Moïse fait d'amémi, akunyawola yole Égypte fait d'aola et Israël du coma jole wogba. Écoute encore. Jusqu'à ce que le magicien dans le livre des Actes chapitre 8 n'a pas donné sa vie à Jésus à travers les messages du diacre Philippe. Il n'y aura pas de repentance. C'est pourquoi je décrète que à partir de tout à l'heure là, tout hôtel contre la volonté de Dieu, le jugement de Dieu tombe sur ces hôtels au nom de Jésus de Nazareth. Mais de quoi faire filer? Ben voici ma pluie de ciel et que tu traînes ma ouf pour l'olonouti là. Mais de quoi faire ben ma ouf pour vous nous donner tout le jomé. Et je vous dis et je vous fie à vous le Jésus Nazareth dans la pomme comme. Écoutez-moi. C'est le moment de l'Église. Et Hami a fait hier 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 ciel. De chercher Dieu. Ben à quoi dit ma ou? Ce n'est pas à cause de l'argent. Ce n'est pas à cause du fruit de vente. Ce n'est pas à cause du mariage. Ce n'est pas à cause de visa. Ce n'est pas à cause de la guérison. Mais la vérité qui rend libre. La vérité qui te libre. La lumière de la parole de Dieu. L'illumination de la parole de Dieu. On appelle ça en mot grec Eido. C'est pourquoi les gens courent de montagne en vallée. Pour chercher quelque chose. Or tu es le temple de Dieu. Tu vas dans le temple. Et tu vas avec Dieu. Ce matin, les gens qui peuvent avoir sa présence sont les gens qui ont soif, les gens qui ont faim de lui, Dieu. Tu ne peux pas avoir sa présence si tu n'as pas soif ni faim de lui. Matthieu 5, verset 6 dit. Matthieu 5, verset 6 dit. Heureux. Ceux qui ont fait soif de la justice. Car
et la bena. C'est toi qui seras rassasié. Waoué la dit fodo. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le temps, les appétons la main. Il te faut avoir soif de Dieu. Et hier, bena, ma ou petit cona ouo. Il te faut avoir faim de Dieu. Et ma ou fait dodo la ouo. Il te faut avoir sa présence dans ta vie. Et do la apo et fait à me bon en le wag beme. Pourquoi? Ben ami a koué nous là. Pourquoi avoir sa présence? Nous kataye et y en a peu à me bon en sa présence. Y est peu à me bon en te donne la protection divine. Et là, nao, à me ta popo cho ma ou bon. Dieu ne peut pas être présent avec toi. Ma et que Satan te prend comme un ballon rond. Ma ta no bo, et y est Satan a no foum à be a fobol fofo. Lorsque Dieu était présent devant Israël. Et si me que ma ou no Israël ngola. Exode 13, verset 21. Moi, c'est pas que les velia et ta huit ans, le blanc de voix de cœur. Que l'on de nuit. Le moudi, pas dit là, et non, à la nuit. Les alliés de feu. Il a terrassé les ennemis devant Israël. Et yé, wo, bafouta, kata, les Israël. Donc, sa présence. Ta yé, pe, à me bon, non, non. Te donne la sécurité. Et là, na, wo, dédié, non, non, blibo. Je déclare, je décrète. Mais, t'es, pas, me dédié. La présence de Dieu donne la sécurité à quelqu'un. Ma ou pas, me bon, non, non, na, dédié. Dans le nom de Jésus. Amade, les yés, soupon, comme. Sa présence. Yé, pe, me bon, non, non. Pouvoir à tes besoins. Et là, na, wo, yan, yan, oise, nous, pas, potant. Il doit être présent pour que tu reçois ce qu'il faut. Et de là, non, ben nous, il dit, n'est là, ou tu es là. Sa présence. Il n'est pas, mais bon, non, non. Pas se manifester, pas d'essayer des miracles. Et déjà, des deux qui de goto, nous, 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 Jesse, on me le wag, ben, bien aimé dans le Seigneur. L'autant, on est affecté là. Dans cette année 2017. Le fait à peu près, lui, adresse la main. Il a besoin d'une seule chose. Et nous, des cas qu'on est hier. La présence de Dieu. Et il y a un enfant, mais bon, non, non. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de prier avec vous, écoutez cette annonce. Nous allons commencer notre prière de 21 jours demain. Jusqu'au 31 jours de prière. Matin, 8h à 13h. Le soir. 7h30 à 20h30. Tcho gaton mitibla et ton vode zangani mitibla et ton. Nous aurons à saigner à propos de la prière. Et yemie le jafi à nous courir et bedodora unti. Et comment commence une prière de telle sorte? Le keye wo jenak bedodora ya pour me vie gomon. Nous allons commencer demain. Et tcho ho ho nous sommes à Avatame Adido Gomen. Miele Avatame le Adido Gomen. Et samedi. Et y a même un agbe. Le 14. Ce samedi. Les étudiants de l'Institut biblique Pilier de vérité vont recevoir leur certificat. N'y a-t-il pas pas sorti pour Bible à ce coup, les gens ont pas d'assédic balé. Au siège de Dieu, c'est ta parole de Dieu. Et y a, ouah, ouais, les agbe n'y a pas, mais pas zimé n'en paie. Déjà, à 7h, nous commençons. Et y a, on dit, gardez, oh, la mienne, j'ai, nous vous invitons. C'est très important. Vous allez nous assister. Remercier le Seigneur pour la sixième promotion de l'Institut biblique Pilier de vérité. Et que le Seigneur vous bénisse. Si vous venez, vous allez écouter le temps où nous allons recommencer. Et que ma nénye ben mi eva et ta kwekwe yamela, be ybe ke mi aga vuvotru le mi apo suku onu la mi adekbe fwe nami. Minami Adogbeda. Père, Fofo, je dis merci. Mede à peine pour la parole que tu nous as donnée. De Enyaike Negacha Namita. Ira Wozuko. Toi qui es malade de la tête jusqu'au pied. Et Woike le Tolem Chota Ira Fogo. Le Seigneur te guérit tout à l'heure. Apeto Yodo Fifilae. Toi qui n'arrives pas à marcher. Et Woike mette les os. Laisse-toi pas ton marche. Dassi le Watikulon. Toi qui n'as pas tout pouvoir maintenant. Et Woike mele nous pomo genou. Tu as le lycée, le Seigneur guérit ton mouvement. Et Woike Fodome Bile Asi Meola. Tu as le cancer dans ton sein gauche. Wo Abivondike le Wono. Le Seigneur te guérit, il n'y a plus de grimoire là-bas. Apeto Yodo. Nous sommes en guérison dans le nom de Jésus. Toi qui cherches le fruit de ventre, le Seigneur te guérit tout à l'heure. Père, je te dis merci. Parce que tu as commencé cette nouvelle année. Continue. Je laisse le Togo dans tes mains. Tu laisses à l'ouest de notre suite. Fais ton sang. Couvre la nation. Couvre les églises. Et que tout ce qui est contraire à ta volonté soit éliminé. Soit détruit.
N'agble. Que ta vérité apparaisse. Merci Seigneur. Parce que tu fais au-delà. Et là, tout ce que nous demandons, pensons. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un seul culte. Vous qui avez reçu les enveloppes le 31. Pour la construction du temple. Nous invitons de les apporter. Même si tu n'es pas dans l'église, que tu as reçu l'enveloppe, c'est une bénédiction pour vous. Vous avez écouté le message de sacrifice avant que vous ne receviez l'enveloppe. Donc nous vous invitons, il y a des gens qui apportent ça déjà. Donc nous vous invitons. Il y a toujours les gens dans l'église. Et chaque mardi, à partir de 8h, nous avons la délivrance. Et aujourd'hui même, nous avons la délivrance. Vous ne mangez pas. Vous ne buvez pas. Et nous quittons à 14h. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama K.François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur. Au numéro 22 25 75 77 ou 90 24 59 10. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale Parole de Vie 6 à Abatame Adidogome, BP 12622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez email abama@abama.org, site web www.abama.org. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ règne.